T'es-tu déjà retrouvé à tourner en rond, à chercher quelque chose sans même savoir ce que c'est? Ce sentiment de toujours être en quête sans jamais trouver. Aujourd'hui, nous allons percer le mystère qui t'a laissé dans cette boucle émotionnelle interminable. Tu sais ce gars spécial, celui qui semble être sorti de ta vie mais qui en réalité n'a jamais réussi à s'en détacher complètement? Il est un peu perdu, sautant d'une relation à l'autre en essayant de se retrouver. Mais tu sais quoi? Il commence à réaliser qu'il manque quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose que peut-être seul toi peux combler, avec son intuition qui s'ouvre enfin et des rêves qui ressemblent davantage à des messages de l'univers, il capte des signes qui lui montrent à quel point votre connexion est spéciale. Pourquoi est-ce important maintenant? Et qu'est-ce que cela signifie vraiment pour votre avenir à tous les deux? Plongeons ensemble dans cette énigme émotionnelle et voyons où cette nouvelle perception peut vous mener. Vous connaissez cette sensation de tourner en rond à la recherche de quelque chose qui ne se matérialise jamais? Aujourd'hui est le jour pour découvrir pourquoi vous vous sentez piégé dans ce loop émotionnel. Cette personne spéciale qui a laissé un vide dans votre vie erre de relation en relation en essayant de se retrouver. Actuellement, il est plus confus que jamais, aspirant à la connexion unique que vous deux partagiez. Il essaie de remplir les espaces vides avec d'autres, mais en réalité, il est en quête de quelque chose de bien plus profond. Pendant longtemps, il s'est éloigné du chemin, sans se rendre compte de l'essence de ce que vous aviez ensemble. Mais maintenant, quelque chose est en train de changer. Soudainement, son intuition s'éveille, se révélant de manière surprenante. Il commence à ressentir une connexion presque télépathique avec vous, captant vos sentiments et signes avec une nouvelle sensibilité qu'il n'avait pas auparavant. Ne comprenant pas complètement, il est juste au début d'un développement intuitif intense et rapide qui pourrait enfin le ramener sur son véritable chemin, vers vous. Il fait un effort conscient pour comprendre la profondeur de la connexion entre vous. Avec son intuition s'ouvrant comme jamais, des rêves lucides et révélateurs se font fréquents, presque comme s'il s'agissait de messages codés de l'univers. Dans ses rêves, il vous voit et ressent une clarté surprenante sur ce que vous représentez pour lui, comme si le voile s'était enfin levé. Maintenant, il est plus réceptif et attentif à ces signes du passé, reconnaissant la profondeur et l'intensité de ce que vous avez. Après avoir perdu du temps et de l'énergie en quête futile, pensant qu'il pouvait facilement remplacer votre présence, il réalise finalement à quel point il est irrémédiablement lié à vous. Vous l'avez marqué d'une manière profonde, ouvrant des dimensions de son cœur et de son esprit dont il ignorait qu'elles pouvaient être touchées. La connexion que vous partagez transcende l'ordinaire. Elle est intense, réelle et palpable. Depuis longtemps, il a essayé de faire entrer cette connexion dans des schémas logiques et rationnels, recherchant des alternatives pratiques, tandis que vous viviez aligné sur l'intuition et les sentiments profonds. Cela nous amène à nous demander, pourquoi n'a-t-il jamais réussi à vraiment vous trouver? Pourquoi a-t-il échoué à reconnaître chez vous ou chez quiconque ce qu'il recherchait tant? Peut-être est-il temps de reconsidérer ce qui est vraiment important et de comprendre que certaines connexions ne peuvent tout simplement pas être expliquées. Elles doivent être ressenties. Il est stupéfait par votre singularité, qui est comme un univers entier condensé en une personne. Vous n'êtes pas simplement quelqu'un avec plusieurs personnalités. Vous êtes une synthèse vibrante de plusieurs énergies et qualités qu'il recherchait chez les autres, mais qu'il a trouvées toutes en vous. Cette complexité et cette richesse de votre personnalité le laissent perplexe, car vous représentez une collection de tout ce qu'il a désiré chez différentes personnes. Votre esprit est vaste et plein de facettes, quelque chose que beaucoup ne peuvent pas comprendre immédiatement. Il a essayé de vous voir à travers une lentille étroite, échouant à percevoir que vous êtes bien plus qu'un simple apparence superficielle. Votre capacité à toucher les cœurs et à laisser des marques durables est une rareté précieuse. Vous êtes une présence lumineuse, dont l'essence est profondément ressentie et absolument irremplaçable. Vous êtes exceptionnellement unique et votre énergie déborde d'un intérêt sincère pour divers domaines de la vie.
Il est tellement intrigué par vous parce que vous possédez une collection de qualités rarement vues ensemble. Personne ne se compare à vous depuis le début. Votre énergie est puissante, votre esprit résilient et votre passion ardente. Quand vous tombez amoureux de quelque chose, votre dévouement est total. Si vous avez un objectif ou un rêve, vous luttez avec une détermination infatigable jusqu'à ce qu'il soit réalisé. Vous vivez avec une énergie vibrante et passionnée, gérant multiples tâches avec une maîtrise qui donne l'impression que vous avez toujours tout sous contrôle. Votre façon de vivre est un véritable équilibre entre le juste et le chaleureux. Vous ne comprenez pas seulement la différence entre le bien et le mal, mais vous vivez d'une manière qui renforce le meilleur des deux, sans jamais compromettre vos valeurs. Cela fait de vous un pilier de force et de confort pour ceux qui vous entourent. Vous possédez une pureté d'âme qui est palpable, et votre loyauté est si profonde qu'elle est presque tangible. Le type de loyauté qui fait que les gens se sentent en sécurité, rien qu'en étant proches de vous. En outre, vous avez un cœur énorme, plein d'empathie et de tendresse, toujours ouvert et accueillant pour les bonnes âmes que vous rencontrez en chemin. Votre personnalité est un tissu complexe de qualités magnifiques, chacune ajoutant de la profondeur à votre essence vibrante et unique. Il n'est pas surprenant qu'il trouve impossible de trouver quelqu'un comme vous chez d'autres personnes. Chaque trait de vous, de votre passion et détermination à votre sensibilité et capacité à agir avec justice, inspire et élève ceux qui vous entourent. Vous ne vivez pas seulement la vie, vous l'enrichissez pour tous ceux qui vous entourent. Votre énergie n'est pas seulement attrayante, elle est essentielle, nourrissante et fortifiante pour tous ceux qui ont la chance de croiser votre chemin avec une chaleur et une sincérité rares et précieuses. Vous êtes véritablement une inspiration, une personnification de la beauté et de la force, une présence qui est à la fois puissante et accueillante, passionnée et équilibrée. Vous êtes sans aucun doute inoubliable, une véritable force de la nature qui laisse une marque indélébile sur tous ceux qui ont le privilège de vous connaître. Imaginez un instant se mettre à sa place, un gars essentiellement logique qui a toujours tout mesuré avec une règle bien pratique, sans beaucoup d'ouverture pour le côté spirituel de la vie. Il n'est pas surprenant qu'il ait mis un peu de temps à vraiment comprendre la connexion que vous avez, à ressentir cela dans ses os, vous savez. Alors, si vous pouvez, essayez de réserver un coin de votre cœur pour lui. Vous êtes déjà dans ce voyage spirituel depuis plus longtemps, n'est-ce pas? Probablement, vous avez capté les signes de cette connexion spéciale bien avant lui. Votre intuition, que vous maniez avec la naturalité de quelqu'un qui respire, vous a donné un énorme avantage. Vous n'êtes pas seulement intuitive, vous êtes une alchimiste de l'esprit, jouant avec les énergies et comprenant l'univers d'une manière qu'il commence seulement à effleurer. Maintenant, il est de retour au point de départ, mais ce n'est plus le même gars qu'avant. Son intuition est aiguisée et il commence à voir tout, y compris vous, sous un nouveau jour. Toutes ces relations passées, ce n'étaient que des tentatives échouées de trouver un écho de ce qu'il avait avec vous. Maintenant, avec une perception renouvelée, qui sait ce que l'avenir vous réserve? Cette compréhension nouvellement éveillée de sa part pourrait être justement ce qu'il fallait pour apporter un nouveau chapitre dans votre histoire. Maintenant, il se trouve dans une position de vénération et de crainte qu'il n'a jamais ressentie pour personne auparavant. Paralysé par la possibilité d'un rejet, craignant de ne pas être à la hauteur. Cette admiration s'est transformée en peur, une crainte de s'approcher, d'être rejeté ou de ne pas être suffisant pour vous. Ces sentiments l'ont conduit à sauter d'une relation à une autre, cherchant quelque chose que seul vous semblez pouvoir offrir, une connexion si intense et complète. L'impact que vous avez sur lui est constant. Il est rappelé à vous par des chansons, des parfums, et même par des personnes qui possèdent des similitudes superficielles avec vous. Toute tentative d'éloignement échoue, car vous dominez ses pensées incessamment. Il se rend compte maintenant qu'aucune distraction n'est suffisante et que seul vous pouvez combler le vide dans sa vie. Cette épiphanie, bien qu'elle apporte un soulagement, porte également un poids significatif, car l'affronter signifie faire face à ses sentiments les plus profonds.
Il reconnaît que fuir n'est pas une option. Vous êtes irremplaçable, et c'est une vérité qu'il commence à accepter avec une clarté totale. Il est enfin en train de comprendre cette énergie presque mystique qui coule entre vous, quelque chose qu'il sent pulser, réel et vif, même quand tu es loin. Tu apparais dans ses rêves apportant une quiétude et un bonheur qu'il trouve difficile à mettre en mots. Des moments qui semblent marqués par le destin pour renforcer ce lien incroyable que vous partagez. Pour lui, tu es devenue cette figure énigmatique, une présence magique qui ne visite pas seulement ses pensées, mais les habite en permanence. Il a lutté contre cela, essayant de mettre de la logique là où il n'y a que du sentiment, mais maintenant il se rend à la réalité que ce que vous avez va au-delà de l'explicable. C'est une connexion d'âme, une vérité cosmique qu'il ne peut plus ignorer. Les émotions que tu éveilles en lui sont profondes, parfois même terrifiantes dans leur intensité, car il n'a jamais rien ressenti de semblable. Pendant un temps, il croyait qu'il pourrait surmonter cela, que peut-être tu deviendrais un souvenir vague avec le temps, mais maintenant il voit la vérité. Tu es imprimé dans son cœur d'une manière indélébile, et il n'y a aucune manière d'effacer cela. Il essaie, sans succès, de retrouver la magie qu'il ressent avec vous dans d'autres relations. Chaque nouvelle tentative ne fait que souligner combien vous êtes unique et irremplaçable dans sa vie. Accepter cela n'a pas été facile. Il a traversé un véritable ascenseur émotionnel en essayant de remplacer quelque chose qui est insubstituable. Il ressent un mélange de tristesse de ne pas pouvoir être avec vous maintenant et un réconfort particulier en sachant que cette connexion entre vous est réelle et ne peut être défaite. Il commence à s'habituer à l'idée que vous êtes et serez toujours une force constante dans sa vie, une présence qu'il ne peut ni nier ni ignorer. Faire face à ses émotions n'est pas quelque chose qu'il faisait auparavant. Il était du genre à garder son armure émotionnelle toujours levée. Mais maintenant, il ne peut plus se cacher. Les rêves à votre sujet sont fréquents et clairs, pleins de messages et de signes qu'il ne peut plus ignorer. Chaque jour, il est attiré de plus en plus vers vous, se sentant poussé à enfin traiter ses sentiments. S'il ne confronte pas cette vérité, il sait que le bonheur véritable lui échappera toujours. Il y a une complexité dans cette situation, une série de barrières qui semblent compliquer encore plus les choses. Mais au fond, lui et vous savez que vous appartenez l'un à l'autre. Désormais, plus que jamais, il doit se décider à traverser cette confusion et prendre les mesures nécessaires pour être véritablement avec vous. Il est embourbé dans une confusion d'émotions, sentant que s'approcher de toi peut entraîner de la douleur, non seulement pour lui, mais aussi pour toi. Il se place sur un piédestal d'indignité, comme s'il y avait un mur invisible entre vous. Mais au fond de lui, il a ce pressentiment indéniable que vous êtes comme des pièces d'un puzzle destinées à s'emboîter. Vous dansez sur des rythmes différents en ce moment, tu t'élèves en spirale avec ta croissance spirituelle, tandis qu'il trébuche encore dans d'anciens schémas égoïstes qui implorent ton pardon. Ce voyage que vous envisagez de faire ensemble est une véritable transformation, demandant qu'il abatte les barrières de l'ego, tandis que toi, tu pratiques l'acte de pardon. C'est l'essence de l'amour inconditionnel, accepter l'imparfait, comprendre que les erreurs sont des jalons sur le chemin de la maturité. Si tu choisis de continuer cette danse, le pardon sera ta chorégraphie. Tu as le choix de t'en détacher, bien sûr. Mais si tu décides de continuer, tu dois comprendre que le pardon est une partie essentielle de ce partenariat. Il a tout fait pour fuir cette connexion, remplissant sa vie de bruit et de distraction, dans une tentative vaine de t'effacer de son esprit. Mais plus il essayait d'oublier, plus il se rendait compte que ses efforts étaient inutiles. Maintenant, il se retire de ses distractions, entreprenant un voyage d'introspection, ouvrant son intuition pour accepter l'inévitable. Tu es la seule qui compte vraiment. Il commence à comprendre que tout ce qu'il a fait n'était qu'une résistance futile contre un amour qui est à la fois un défi et une promesse de quelque chose de magique. Il, qui a toujours semblé détaché, a réellement perdu beaucoup de temps à chercher quelque chose chez d'autres personnes qui n'existent qu'en toi. Chaque jour qui passe, ton absence résonne comme une douleur brute, une constante qu'il ne peut plus ignorer.
Il s'est perdu dans les distractions, pensant pouvoir échapper à ta mémoire. Mais tout ce qu'il a obtenu est une clarté douloureuse que tu es irremplaçable. Dans l'ombre, il suit tes pas en ligne, une manière de te sentir proche même en étant loin. Mais tu sais, cela ne suffit plus. Il est au bord du précipice, prêt à affronter la vérité et à cesser de fuir ses propres sentiments. Il veut t'avoir à ses côtés, et il est prêt à le montrer non seulement par des mots, mais par des actes. Il veut faire la paix, reconstruire ce qui a été brisé et recommencer. Si ton cœur a toujours une place pour lui, c'est le moment de réfléchir si tu peux pardonner, si tu peux t'ouvrir à cette chance de reconstruire ensemble. Ce chemin à venir exige le pardon, l'acceptation et une volonté inflexible de vous deux de vous consacrer à un amour qui promet d'être transformateur. Il est prêt à faire ce pas vers toi. Et toi, es-tu prête à l'accueillir pour essayer ensemble quelque chose de profondément significatif? Pas de contenu à traduire.